Idéalement placé avec une vue magnifique sur le petit port du Vallon des Œufs, le restaurant Chez Fonfon n'est pas étoilé au Michelin. Qu'importe, l'essentiel pour son propriétaire c'est d'y figurer. Même sans étoile, la clientèle est là. D'après certains connaisseurs, amateurs de cuisine méditerranéenne, ce serait même l'une des meilleures adresses de la ville depuis presque 60 ans. On a une manière de servir la bouillabaisse qui est très classique. Donc si du jour au lendemain, avec une étoile, peut-être que les gens se diraient « mais est-ce qu'il n'y a pas un plus ?» Nous, ce qu'on veut, c'est rester un restaurant traditionnel, familial. Voilà, être considéré à notre juste valeur. On fait du poisson frais, on fait pas de poisson d'élevage. C'est déjà un gros challenge. Voilà, donc on est bien comme on est. Pour Alexandre Pina et de nombreux restaurateurs marseillais, avoir une étoile au guide Michelin n'est pas une finalité. Résultat, à Marseille, les restaurants étoilés se comptent sur les doigts d'une main. Le chef Lionel Lévy, lui, a eu sa première étoile en 2005. C'est pas parce que vous avez pas d'étoile que vous allez mal manger, c'est pas vrai. Ou que c'est pas un bon établissement. Je veux dire, des établissements non étoilés, que ce soit Dominique Frérard au Sofitel Les Trois Forts, que ce soit Christian Buffat le Miramar, sont des établissements qui n'ont pas d'étoile et ce sont des établissements qui fonctionnent très bien, qui marchent bien, qui ont une réputation sur Marseille. Marseille, ville populaire, portuaire et industrielle, voit sa physionomie changer au fil des années. Le développement du tourisme, notamment celui des affaires, pourrait encourager de nouveaux restaurants gastronomiques à s'y installer. Aujourd'hui, Marseille compte seulement 3 restaurants étoilés, contre 71 à Paris.